La tendance est à la hausse dans les places européennes. L'Eurostock 50 gagne 0,8 points. Les marchés sont légèrement plus volatiles qu'en ce début de semaine du 15 août et surtout en Espagne. Madrid rebondit de 4%, ravivé par les rumeurs d'un éventuel plan de sauvetage plus large de l'économie espagnole. Milan gagne 1,9%, plus 0,6% à Francfort et à Paris. Les investisseurs restent en attente d'intervention des banques centrales en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Chine, où le ralentissement économique se confirme avec un déclin de 8,7% des investissements directs étrangers en juillet. Les cours du pétrole restent élevés. Le Brent s'installe dans son plus haut niveau depuis 3 mois et augmente encore à près de 116 $ le baril.